Rebonjour Nicomax sur The Pandora Directive, épisode X, épisode N-1 plus 1. Alors, nous avons une salle à explorer, avec un beau machin au milieu, hein. Statue. Ouais. Alors, on a des... Ouh, ça fait pas très Maya ça. Ça a l'air un peu moderne comme truc. Ces socles ne sont pas posés sur le sol. Ils semblent être plantés dedans. Ok, alors ça, à mon avis, ça se prend. Le sac à dos de Regan. Elle ronchonne même pas quand on lui prend. Attendez, je vais le fouiller, mais je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. A priori, non. La statue semble se dresser vers la lumière là-haut. On dirait que c'est la seule issue possible. Okay. Je peux pas regarder plus haut. Enfin, je peux pas regarder plus en l'air. Alors, examinez. Une corde. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire maintenant avec... Bref. Alors, vous avez une idée? Pas pour l'instant. J'examinais ces trous en haut de la chambre, mais même si nous pouvions les atteindre, ils sont trop petits pour passer à travers. Cherchons encore. Attendez. Non, bougez, c'est ce truc qui était derrière, d'accord. Ah. Je crois que c'est un truc avec cette statue au milieu qu'il faut faire. Je sais trop rien. Oh, la corde a marché. Quoi, j'ai... Non, c'est un bug. Il ne se passe... Est-ce qu'on peut... Attendez, bouger. C'est trop lourd pour que je puisse le faire seul. J'aurais besoin d'aide ici. Poussez-vous, chérie, je vais le faire. S'il vous plaît. Par ici. Alors pourquoi on a fait ça? J'en sais trop rien. Le socle sous la statue n'est pas prêt de bouger. Pourquoi la statue serait là pour le bloquer? En tout cas maintenant qu'il est par terre. Il y a une grosse fissure dans ce morceau de la statue. Si je pouvais le casser en deux, les deux parties seraient assez légères pour être soulevées. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus, alors. Est-ce que maintenant je peux faire quelque chose avec ça, non? Qu'est-ce qui me manque en sang? Bon. Je pense pas que... Il ne se passe rien. Ça me paraît pas très logique de faire ça dans ce sens-là. Une idée? Non, désolé. Ok, elle sert vachement à quelque chose, elle. Bref, alors. Ce morceau-là qu'il faudra enlever. Alors.
Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Est-ce que en examinant peut-être. Ah bah voilà, je me disais aussi. Tout simplement. On associe ça à ça. Ça à ça. Ça à ça. Ça à ça. Non, je rigole. Utiliser. Il ne se passe. Bon. Il n'y avait pas deux objets qu'on pouvait soulever. Ah. Voilà. Donc, inutile de dire, vu qu'il y a quatre socles, il est fort probable qu'il faille se mettre sur les quatre. Heureusement qu'on Après est deux. Vous. Qu'est-ce qu'on a pas fait comme connerie? Courez! Regan, venez! Tex! Vous avez dit que ça se terminerait comme ça. Ah, bla 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 bla. C'est magnifique, comme un énorme cadeau de Noël qui n'attend plus que d'être ouvert. Oh, je crois que je devrais appeler Fitzpatrick et lui dire qu'on a trouvé. Ne l'appelez pas. Il faut garder tout ça entre nous, juste vous et moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Regan. Pourquoi pas? Nous pourrons avoir tout ce que nous voulons. Je connais les gens. Il nous suffit de leur dire où est le vaisseau et ils nous donneront tout ce que nous voulons. Nous pourrons passer le reste de notre vie ensemble. Ce n'est pas correct, Regan. Mais qu'est-ce qui peut bien vous retenir? Écoutez, regardez votre vie, c'est une voie sans issue. Et vous le savez, vous pouvez refuser passer le reste de votre vie avec votre petite amie, la mutante, à vous battre sans avoir une chance. Comment savez-vous pour Chelsea? Quelle importance! Vous pouvez tout avoir, l'argent, la liberté, moi. Écoutez, ma vie vous semble peut-être sans intérêt. Et ma copine mutante n'est peut-être pas la plus belle femme du monde. Mais il se trouve que je ressens une certaine obligation de faire ce qui est bien et pas ce qui sert simplement mes intérêts.
joli petit discours. Maintenant, soyez un gentil détective et donnez-moi ce communicateur. Ou est-ce que vous préférez que je vous fasse un trou dans la tête pour le prendre? Merci. Eh bien, je pensais que vous seriez surpris de me voir. Oh, je savais que le NSA serait dans le coin. Je me demande pourquoi je n'ai pas senti votre odeur. Oh non, je ne suis pas en mission officielle. Non, non, c'est une affaire personnelle entre Miss Madsen et moi-même. Je vous ai proposé une participation, Tex. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc vous êtes avec Cross pour manigancer tout ça depuis le début. Quelle déception, hein? Mais vous vous sentirez mieux de savoir qu'elle commençait à vous apprécier. En fait, je voulais vous liquider sur le champ, mais elle m'a convaincu qu'elle pourrait vous persuader de venir avec nous. Vous semblez bien plus costaud que moi, en fait. Oui, je crois que nous ne sommes pas faits du même bois. J'ai appris pour Malloy et le NSA. Puis j'ai rencontré Miss Madsen quand je recherchais son père. Vous imaginez, quelqu'un qui vend son propre père? Je ne vous l'ai pas vendu. Oh, désolé, j'oubliais. D'abord, nous n'avons pas eu de chance pour retrouver les boîtes de Malloy. Mais vous êtes arrivé. Je ne sais pas si c'était de la chance ou vos talents de privé. De toute manière, j'ai décidé de vous laisser faire le travail. C'était une bonne décision, pas vrai? En fait, nous voici au bon endroit et au bon moment. Mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça, Cross. Ah non? Je ne vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. Vous savez, quand je vous ai vu, je voulais vous abattre comme un chien. Pas parce que je ne vous aime pas. Non. Vous êtes un type plein de ressources. Je voulais vous tuer parce que j'aime tuer les gens. Je trouve cela très satisfaisant. Oui, mais je croyais qu'avec la manière dont vous m'avez fait marcher, vous seriez celui qui appuierait sur la gâchette. Vous avez provoqué votre perte. Assez parlé! Fais tes prières, ma fille. Attendez. Ne tirez pas. Épargnez-le et je vous montrerai ce que vous cherchez. C'est un piège. Très bien, vieillard. Je ne le tuerai pas. Pas pour l'instant. Allez. Passez devant. Qui êtes-vous, Tex? Je pourrais vous poser la même question. On verra plus tard. Vous pouvez vous écarter du rayon, je vous prie.
C'est un moment historique. Nous sommes au cœur même de l'histoire. Ceux qui sont venus avec ce vaisseau, s'ils n'étaient pas nos pères, les pères de notre race, étaient au moins les gardiens et les guides de nos ancêtres. Ceci est un lieu sacré. Assez de jérémiades ! C'est quoi là-dedans ? C'est la chambre du générateur, et la lumière que vous voyez vient de la cellule principale. Bon, alors jetons un coup d'œil, d'accord ? Comme vous voulez. Vous devez m'aider à emmener ce vaisseau loin de la Terre, loin de cette planète, le plus vite possible. Pourquoi ? Les explosifs, les modules anti-hydrogène, ils vont sauter d'une minute à l'autre. Nous devons éloigner le vaisseau très loin de la Terre et le plus vite possible. Vous savez piloter cet engin ? Je sais, je sais. Vous êtes sûr qu'il marche au moins ? Ce vaisseau, mon père... Mon père, il y a longtemps... Ah, écoutez-moi, c'est très important. Ma mère était une Américaine du Nebraska. Mais l'ADN de mon père est en moi. Je sais comment piloter ce vaisseau. Maintenant, vous devez trouver le symbole du soleil noir et appuyer dessus. Trouvez le soleil noir. Le bouton du soleil noir et appuyez. Puis... Nord. Cercle. Rouge. Nord, cercle, rouge. Est. Croix. Qu'est-ce qu'a dit Fitzpatrick déjà ? Nord, cercle, rouge, et après ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Nord. Merde. Ah non, soleil noir d'abord. Nord. Cercle. Où est le cercle ? Rouge. Est. Et c'est par là. Et croix. Où est cette fichue croix ? Attendez, c'est une suite logique apparemment. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin. Nord, est, sud. Qu'est-ce que j'en sais moi ? Qu'est-ce qu'a dit Fitzpatrick déjà ? Nord, cercle, rouge, et après ? Alors, nord. Nord, cercle, rouge. Est.
3. Qu'est-ce que j'en sais, ma triangle? Je vois pas du tout la logique là-dedans. J'ai envie de faire. J'en sais trop rien en fait. J'en sais trop rien. Plus c'est un temps limité. Qu'est-ce qu'a dit Fitzpatrick? Bon, je crois qu'on va le faire pas mal de fois. Hein. Je vous préviens. Plus, je perds du temps en or. Ok. Cercle rouge, S plus croix. Nord. Cercle. Rouge. Est. Croix. Nord. Cercle. Rouge. Est. Truc là, comment je. L'indice il va me. Ah, j'ai pas envie de cliquer dessus. Bon, c'est fini. Boum. Qu'est-ce qu'a dit Fitzpatrick? Alors attendez. A priori, ça ne commence pas tant qu'on n'a pas regardé. Tant qu'on n'a pas touché le bouton au milieu. Donc. Essayons de trouver une logique. Nord. Nord, cercle, rouge, est, croix. Nord, cercle. Attendez, il s'est répété. Ça se trouve, ça se trouve, il fallait répéter. Genre, il a fait nord, cercle, après nord, cercle, rouge, est, quoi. Ah. J'aurais bien réécouté. Regardez, il y a les 3 points qui étaient allumés. Je suppose qu'il faut faire tout le cercle. Ah merde. Bon. Non. Cercle, rouge, est, croix. Oh, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Nord, rouge, cercle. Non, nord, cercle, rouge. Nord, cercle, rouge. Est, croix. Je sais pas, bleu. Blanc. Non. Nord, cercle, rouge. Est, croix. Blanc. Nord, cercle, rouge, est, croix, blanc, merde. Nord, cercle, rouge, est, croix, bleu. Nord, cercle, rouge, est, croix, violet. Nord, cercle, rouge, est, croix. Merde, je sais plus que je suis. Non. Je sais plus que j'ai utilisé ou pas. Je crois que j'ai. Enfin... Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, alors. Je pense que c'est une couleur. Là,
Tac, 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 tac. Ou pas. J'en sais trop rien, en fait. Tac, 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 tac. Non, rien. J'essaie de gérer. Je vais tout essayer maintenant. Force, je m'en rappelle plus. Ok, c'est pas ça. Donc, rouge. Croix, machin. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'a dit? Donc. Nord. Heureusement qu'on peut réussir 15 fois. Nord. Rond. Rouge. Est. Croix. Orange. Est-ce qu'il va falloir appuyer sur toutes les couleurs, hein, pour... enfin, sur tous les boutons. Parce qu'il y a des étoiles, des lunes, machin. Pour... Non. Boum. Nord. Croix. Rouge. Est. Croix. Orange. Sud. Triangle. Jaune. Ouest. Losange. Vert. Vous n'auriez pas dû le lâcher des yeux. Ah oui? Et où étiez-vous, vous? Mince. Si vous êtes gentil, je serai très gentil aussi. Peu de temps après, Elijah se montre. En rentrant, je lui apprends ce qui s'est passé. Il a l'amabilité de me faire un chèque pour couvrir mes frais et quelques extras. Chelsea est revenue et on se donne rendez-vous au Brew & Stew pour boire un verre. Mon expérience avec Regan m'a appris deux ou trois choses. J'ai décidé que le monde est trop moche pour y vivre seul. Je suis peut-être enfin prêt à cette histoire d'amour avec Chelsea. Et ce voyage à Phoenix t'a fait le plus grand bien? J'avais besoin de me renouveler. Écoute, avant d'aller beaucoup plus loin, je voulais te dire que j'ai été un sacré con. Des fois, je ne verrais pas la vérité si elle ne surgissait pas pour me frapper en pleine face. Attends, parce que j'ai répété ce speech et je ne veux pas me mélanger. Pendant que tu étais parti,
J'ai été tenté par une autre femme. D'accord, je sais que c'est dur à croire. Je l'ai repoussée. Mais tout ce qui s'est passé depuis ton départ m'a fait voir les choses sous un air différent. Et je pense que je suis peut-être prêt à m'installer et à avoir une vraie vie. J'espère seulement que tu veux bien me laisser ma chance. Tex, chérie, tu sais, pendant que j'étais à Phoenix, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir et j'en suis venue à la conclusion que je m'étais peut-être un peu emportée. Tu sais, avoir 30 ans m'a peut-être rendue acariâtre. Non, Chelsea, ce n'est pas toi qui étais acariâtre. Je crois que c'était moi. Idiot, bête, c'était moi. Non, ce n'est pas toi, Tex, c'est moi. En fait, j'en voulais toujours de trop, comme vouloir que tu sois totalement fiable. J'apprécie ton amitié et je ne veux surtout pas la gâcher. Alors, tranquillement, elle sort le poignard du rejet, l'enfonce dans mon ventre, m'arrache le cœur et le donne à son chat. N'est pas si mal, allons. De toute manière, c'est pour ça que j'ai signé à l'agence Holo Matrimonial. Pas de galère et sans engagement. Holo Agence ? Jamais entendu parler. Ça vient d'ouvrir et c'est la meilleure solution. C'est vraiment joli, Chelsea. Et c'est quoi comme couleur? Pourpre. C'est une de mes préférées. Le voilà. Vraiment, ma chère, nous devrions faire quelque chose. La agenda s'est fondue. Ok, il est mignon, mais pas réel. Qu'est-ce qu'il est? Chelsea n'est pas tort. Je devrais moi aussi appeler cette Holo Agence. Je n'arrive pas à croire que je vais faire ça. Salut, c'est Humphrey. Je peux vous aider, fils? Dites, vous n'êtes pas... Bien sûr, fils. C'est sûrement votre premier appel. Qui voulez-vous rencontrer? Dans ce cas, vous savez, j'ai toujours eu un faible pour Jane Mansfield. Bien sûr, Anna Nicole Smith, c'est bien aussi. J'aime votre style, fils. Et c'est votre jour de chance. Nous sommes mardi. J'ai le 2-1 spécial. Je vous les envoie quand? Laissez-moi une seconde pour réfléchir. Un quart d'heure, ça va? 15 minutes. Elles sont parties. En fait, c'est peut-être le début d'une... Ouais. Vous savez combien de fois j'entends ça tous les jours? Ouais, le monde n'est peut-être pas parfait, mais il y aura d'autres enquêtes et peut-être même une vraie femme qui m'attendra au coin de la route. Mais en attendant, il y a des manières pires de passer le temps que de jouer à des petits jeux avec Jane et Anna Nicole. D'accord, elles ne sont pas vraies, mais comme Chelsea disait, qu'est-ce qu'il est? Voilà, donc on a terminé le jeu. Voilà, donc on est loin du score maximal. 2579 sur 4000. Vous n'avez pas pu réussir à gagner le cœur de Chelsea ou de Regan. Bah, j'ai pas cherché à avoir Regan de toute façon, mais en résistant à la patte du cas, vous avez contribué à sauver le monde et vous avez peut-être maintenant envie de suivre une... Les deux autres voies proposées, chacune d'elles contient de nouvelles scènes et d'autres dialogues. Pour trouver Mission Street, vous devez être droit, chevaleresque et faire les bons choix, ce qui vous permettra sans doute de sauver le monde et de gagner les faveurs de Chelsea. Mission Street mène à deux fins possibles. Pour trouver le boulevard... Ok. Donc j'ai Lombard Street. Je crois que c'était Mission... Ok, bon bah j'ai pas... Ok, je suis fini dans mon bar, ok. Tant pis. The office lights are growing dim.
The candles, they don't help. The only thing that passes through my grin is pain I've never felt. Oh, 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 oh. The street outside is deadly dark. If you listen, you can hear a million radiant thoughts. And people disappear. Oh, oh, oh. Now that dark is light, reason seems to lose its will to fight these lonely blues I get in flight. So I'll drink myself asleep another night. Riding on top of mystery, I looked into the fire. I'm just the son of some bad history. Can't get no higher, higher, no higher. Whoa, whoa, whoa. I got one last chance to get it right. The connection is fading. You can bet your life I won't give up the fight. Because my sanity ain't worth trading. It ain't worth trading. Oh, when day is night, I always seem to lose the things I seem to choose that makes it right. So I'll close my eyes and sleep with all my might. So I'll close my eyes and sleep with all my might. And maybe when I wake,